Je savais qu'en étant petite, quand j'allais au sport, c'était pour gagner. Une fois que je suis arrivée dans le cadre de Fontainebleau avec toutes les filles et tout, oui, je voulais faire du haut niveau. C'est motivant d'avoir une densité comme ça sur 800 mètres. Ça laisse encore moins envie de laisser sa place. J'ai hâte. Ça me donne encore plus envie de savoir que c'est pas si loin. On est arrivé vendredi, donc ça fait 4-5 jours qu'on est là. On est rentré tout doucement dans le stage avec fartlek, côte, footing. Et on a fait hier notre première grosse séance en compagnie du groupe suisse. Voilà, genou haut. Très bien, c'est mieux ça, Charlotte. Pour pouvoir passer, il faut juste poser le deuxième appui un peu plus loin. C'est-à-dire que si vous le posez tout proche de votre premier appui, à la jambe de retour, il faut chercher à la poser un peu plus loin. Ouais. Voilà. Cherche à être grande, cherche à être grande, cherche à être grande. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ouais, c'est bien ça. Je fais jamais ça, putain. Oh, elle est mort de rire. J'ai un chamallow. Patricia ? Ouais. À quoi ça sert concrètement de faire ça ? On est en stage, donc on est là aussi pour bosser et puis accumuler du travail. Là, c'est à la fois du travail de force, de coordination, c'est du gainage dynamique. Et pour en termes d'économie de course, résistance à la fatigue en fin de course et tout ça, pour nous, c'est intéressant. Bilan des filles ce soir, du coup, c'est quoi ? Bah, c'est très bien, ça va. Pas du tout, ça va pas, non ? J'en prends parce que tu me l'as dit. Je dois m'améliorer en vitesse et en muscu, donc ça va ensemble en fait. C'est quelque chose que je dois mettre plus en place. Il faut qu'elle retrouve un niveau en force vitesse qui lui permettra de faire moins de 2 minutes. Pour l'instant, elle n'y est pas, on a encore du temps. C'était déjà notre objectif, quand elle valait 2 minutes, pour faire une 59. Il fallait qu'elle progresse en vitesse, vitesse prolongée, vitesse 400 et voilà. La perte, c'est toujours la conséquence. Hein. Tu peux te dire, bah tiens, je veux faire une 59, si tu n'as rien en face pour les faire, ça marche pas. Hein, J'arrive pas à faire en même temps. Faut que je fasse plus de renfo et du muscu, ça c'est clair. C'est même moi qui dis à Thierry qu'il faut que j'en fasse plus. Donc on est ok là-dessus. Ce sera le bêtisier. Ouais, c'est pour nous préparer à la séance de demain, être de la réactive et tout. Surtout que demain c'est de la nuit. Enfin, ce sera rapide, ce sera pas loin de la nuit. Ouais, bah, je mets les séances, les chronos et je mets mon petit ressenti, mais je mets les récup aussi. Je sais où j'en suis et ce que j'ai fait. Et après, comme j'en parlais avec Julia la dernière fois, au moins aussi on regarde par rapport aux années précédentes ce qu'on faisait, où on était, etc. Vraiment, tu vois, le mois de septembre, c'est super bien, tout est écrit. C'est bien, tu vois, j'écris renforcement, muscu et tout. Et là, t'arrives à la fin. Voilà. C'est la merde. J'en regarde novembre ce que j'ai écrit. J'ai écrit novembre juste. Je suis arrivée à 8h15. C'est stressé d'être la compète. Mais c'est ça, mais moi je te dis, j'ai l'impression que je fais ma rentrée. Moi aussi, vraiment. La muscu ? Oui. J'ai trouvé ça dur. Ah, plus ça. J'ai fait des squats complets jusqu'aux chevilles en bas là. Ah, ah là. Et pour remonter, j'étais comme. C'est une Suissesse, du groupe de Suisses, c'est une Suissesse, ouais. Qui va mener le premier 300. Et après, Agnès, on te demandera de mener le... Quoi, non. Tu m'as dit que tu n'aimais pas courir en peloton, mais justement, tu vas courir devant. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de filles pour pouvoir mener. Et je pense que vous allez vous relayer avec les meilleurs Suisses, et puis toi, et peut-être Charlotte. Comme tu as une responsabilité pour le groupe, tu es obligé de te sentir. Non mais c'est vrai. Mais après tu sais, chacun fait au mieux et puis si t'es trop vite, ben essuie et te suis pas, puis si t'es trop lente, ben rentre pas sans toi. Enfin, c'est... Non, allez Julia. I'm a bit lactic, but we love this, like especially you. It's
Ouais, enfin, c'est mon problème. On a fait notre première grosse séance en compagnie du groupe suisse. On a vachement retrouvé l'esprit de compétition dans cette séance, malgré le respect qu'il y avait et la bonne entente. Hein ? On a plein de temps là. Ça me poussait à grappiller à chaque fois une place, une fille, deux filles. Ou quand je sentais qu'on me rattrapait, ça me poussait à aller encore plus vite. Il commence, c'est fini. Le dernier était dur de 300. Ouais. Je sais plus quelle répète c'était. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas entendu. J'ai passé 150 mètres à rattraper. Souris quand même encore. Oui, ça va. Bravo. Merci. 42, 42, 42, 41. Et le dernier, j'ai refait un gros 42, je crois. Mais moi, j'étais là-bas quand vous êtes partis. C'est ma mère qui m'a acheté ça à Noël. C'est celui que tu prends et puis t'as... T'as que le pied, non? Ouais. Merci. Je crois que je vais en faire une comme ça. Elle est extrêmement rigoureuse, elle est... Ouais, elle est sérieuse, elle fait tout bien dans l'ordre. Elle est, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je vois un kiné à Fontainebleau, en dehors du pôle, puis dans le pôle. Je vois aussi un ostéo régulièrement, je dirais peut-être une fois par mois. Oh ouais, c'est un luxe. Au pôle, on a des kinés deux fois par semaine environ. On a un super kiné ostéo là. Tu peux faire un zoom sur lui, il n'y a rien à dire. Ça, tu t'en rappelleras, c'est la bonne cette année. Cette année, Paris. Paris, vous gagnez. J'en suis sûr. Et la dernière m'ont fait mal au cœur. Charlotte, dis-lui qu'il y a une âme à Paris. Ouais, ouais. Tu te sens comment, toi, à Paris? Moi, j'ai pas d'âme là. Je vais mourir. Moi, je suis pour le RCT, au rugby. Non, j'ai pas d'équipe. Là, pendant le stage, je pense que je suis au maximum dans l'optimisation, notamment après les grosses séances, les grosses P. Je suis du bain froid aussi. En stage, c'est le moment où il faut être le plus sérieux là-dessus. Ouais, pour enchaîner tout, il faut être au max sur la récup. C'est moins froid que le vrai bain froid. Mmh. Là, je vais rester 12 minutes. J'ai mis le minuteur. Ouais. Longtemps ? Ça y est, il me reste une 20 là. Elle est à 12, ouais. Nous, ça va, en vrai. Ça se voit qu'elle est à 12. Je me suis un peu habituée là. Début 2022, j'avais très bien commencé l'année donc en stage ici aussi au Portugal. Et en reprenant début avril, j'ai eu ma tendinite là au tendon d'Achille. Donc en gros, elle est ennuyée depuis 8 mois. Donc le premier objectif, ça va être de retrouver la dynamique qu'elle avait et arriver à faire ce qu'elle doit faire. Je pense qu'elle va faire moins de 2 minutes. Deux fois 7 fois 30-30. Ciao. Tranquille. Sur certaines séances, je suis moins combative que ce que je pourrais l'être en compétition, ben, je pense que c'est dû au manque de densité à l'entraînement, tout simplement. Il faut qu'elle retrouve un peu plus d'engagement dans les séances, et alors ça vient avec la confiance aussi, hein. Un peu plus d'engagement et un peu plus de confiance, et notamment sur les premières courses, on va voir ce que ça va donner, mais en compète, elle arrive, quand elle est en forme, elle arrive à être hargneuse et elle arrive à être déterminée. Il faut qu'elle retrouve un peu ça. Parce que forcément, quand ça fait 8 mois qu'on n'a pas été dans de bonnes conditions, voilà. Et c'est pour ça que la séance d'hier était intéressante avec, quand on a fait la séance avec les Suisses. Là. Voilà, c'est la première fois que je la revois courir, voilà, avec un peu d'engagement, avec un peu plus d'intensité. Ça a enlevé les courbatures, c'est bon.
Maintenant, tu fais 2-3, t'es 20e française. Bah, la densité elle est incroyable. Il y a Agnès qui a fait une 59 l'année dernière, voilà, il y a Vanel devant. Elle, voilà, si elle veut être dans le game, il faut que. Je pourrais pas faire de une, quoi, sinon, je vais pas le faire. J'aime pas être en vrai. Vas-y, arrête-toi. Regarde ta bouteille de. Ah, tu m'as envoyé ça. Eh oui, une minute, c'est sûr que je te les mets. J'en suis sur le 300 à 4, je te mets une minute. Un trio avec, vous savez, du miel et des fraises. Et en plus, vous rajoutez un petit peu de Nutella. C'est la patronne à la maison. Hein? C'est la patronne à la maison. Ah ouais? Ah ouais. Perfecto. Perfecto. Merci. Elle me dit un cake. Non, mais ici, c'est un cake. Mais je lui dis en France, vous connaissez la Madeleine? Elle me dit, c'est un cake que vous avez pris hier. Je lui montre, comme ça, je tape Madeleine, je lui montre le paquet de Madeleine. Ça me dit, oui, c'est ça, mais plus gros. Je dis donc, c'est une Madeleine. Elle me dit, un cake. Je dis, Bastien, en France, on est d'accord. Et après, la femme, elle me dit, ah oui, Madeleine, c'est une Madeleine, oui. Vous vous lancez tranquillement et l'objectif, c'est quand vous arrivez ici, entre ici et la bouteille, c'est d'avoir un maximum de cadence. Il n'y a que ça qui compte, le reste on s'en fout en fait. Ça va, on est d'accord, donc ne partez pas comme des cinglés, c'est pas ça. En phase de... où les compètes se rapprochent là, ça te fait gagner du temps quoi en fait. J'estime que faire la survitesse, il faudrait presque 3 séances de vitesse pour arriver à avoir le même effet. 1,40, 1,44. Lina, tu pars pas assez vite. Non mais faut que t'arrives avec de la vitesse quand même là. Ah, okay. Toi, cible. C'est le départ du plus bas ou plus haut là pour l'instant? Allez, naturel, relâche. Il faut pas qu'on se voit pas. C'est bon là, c'est bon, je suis bien ici. Il y a des Charlotte. Mais oui, tranquille, c'est lui, il a fait remarquer. C'est un plus, je dirais, qui m'aide beaucoup quand on va faire des footings. Ils m'aident vachement, ils me motivent parce que c'est vrai que les footings longs, je vais pas reculons, mais c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Donc c'est vrai qu'il me motive, il me pousse à aller un peu plus vite, et voilà. Après, à la maison, vu qu'on est deux, on s'entraide aussi, on se motive à bien faire les choses, à s'étirer le soir. À... Oh, j'ai peur. Il me fait stresser. Il faut bien qu'on ait eu ce temps le dernier jour, là. Ouais, bah, ce matin, c'était cool, on est allé soutenir les autres qui faisaient leur séance. Il y avait Adine, il y avait Baptiste, il y avait Louis. Quand on part en stage, en fait, on sort de notre routine. On y repense souvent quand on est en forme, on se rappelle ces moments-là et on se dit on a bien travaillé quand on est au Portugal et on se languit de repartir. Les stages, c'est de toute façon pour performer, c'est primordial. On cherche le beau temps, les meilleures conditions possibles en fait. Là, c'est parfait. Voilà.